Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Spider-Man, l'exclusivité PlayStation 4. J'espère que ça vous fait plaisir, mais en tout cas ça me fait énormément plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit jeu comme ça, tranquillement. Bon, je vais pas aller faire la mission là-bas, il faut que je me concentre plus. Ouh, allez, c'est parti, on va vous montrer un peu de gameplay. Ça fait plaisir de se retrouver un peu sur du Spider-Man encore en plus, parce que ça me fait penser vraiment... vraiment au Spider-Man que j'avais sur PlayStation 2. Je parle du Spider-Man 2. Je sais pas s'il y en a qui ont eu la possibilité de le tester. Mais moi je sais que c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps. Et là enfin, on peut être l'homme araignée, le super-héros. Et ça fait énormément plaisir. Donc je suis pas là pour me prendre la tête, vous faire un test ou quoi que ce soit. Certes, je vais vous en dire le fond de ma pensée pour ce que j'ai joué. Hein, bien évidemment, c'est minime hein, ce que j'ai joué. Là, je dois être au niveau 5, c'est tout. Quoi. Parce que oui, ça marche par des niveaux et ça marche aussi par des points de compétence que je vais vous montrer maintenant. Alors, tout d'abord, on va vous montrer la carte. Voilà, la superficie est quand même assez énorme, vraiment. Il y a encore tout ça derrière. Tout ça là, hop, 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 c'est gigantesque. Les tenues, donc voilà, là on peut avoir plusieurs tenues et ça c'est quand même exceptionnel parce qu'il y a des tenues, moi je trouve, ça ne va en aucun cas avec Spider-Man. Il y en a d'autres, c'est un peu marrant comme celle-ci, moi je trouve que c'est plutôt classe parce que ça fait un peu le style des catcheurs mexicains un petit peu, ils aiment bien porter ce genre de tenue. Voilà le Spider-Man classique, Spider-Man noir, donc ça c'est juste ce que j'ai débloqué, mais après il y a bien évidemment tout ça qui reste à débloquer. Sur les tenues, il y a des super pouvoirs en plus, on a des gadgets en plus, donc moi pour l'instant j'ai celle-ci, lance étoile et étoile de choc, et ça je ne l'ai pas encore, je sais pas trop, ah ouais d'accord, faut le fabriquer, écoutez on va le fabriquer maintenant, voilà comme ça c'est fait. Ça marche aussi avec des arbres de compétences, donc ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce petit délire là. Faut choisir ce qu'on préfère, comment on veut la jouer plus au début, si on veut la jouer plus vraiment, vas-y je fais attention, j'y vais tranquillement, ou soit j'y vais bourrin, voilà c'est plutôt cool. Ça c'est les missions qu'on a à faire, on va en faire une, du moins essayer. Collection, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc ça c'est le sac à... on peut avoir le sac à dos. Voilà ici. Avec ce qu'on avait dedans. Voilà, voilà super classe. Avec la voix en plus, ça fait super plaisir de retrouver la voix. Il y a aussi. Attendez. Si je me trompe pas, il y a plus de 4 heures de cinématique en tout dans le jeu. Et ça, c'est juste exceptionnel parce qu'en gros, c'est un jeu. Film, si vous préférez. Là, vous avez toutes les techniques, donc ça c'est plutôt pas mal si vous aimez bien. Voilà, Treyarde un peu les techniques. Moi, je suis pas trop pour faire ça, pour avoir plusieurs techniques ou quoi que ce soit. On va essayer de vous montrer du beau jeu quand même. On va aller faire la petite mission qui est à 400 mètres de nous. Hop, là, on part vers les usines apparemment. J'ai eu affaire qu'à deux boss, je crois. Oh bah désolé je t'ai coupé. Désolé gros je t'ai coupé. Bon alors qu'est-ce qui va nous arriver encore? Parce que désolé mais déjà le début que j'ai vu, c'est quand même incroyable ce qui lui arrive. Mais... ah d'accord, ça c'est les hommes de Fisk. Écoutez-moi, les démons. Ils sont assez casse-couilles. Hein. Parce qu'ils ont des boucliers, il y en a ils sont carrément balèzes. Bah moi fin, sincèrement, ah bon, mis à part les toiles d'araignée bien évidemment, ça fait penser un peu, si on peut parler sur des jeux PS4, ça fait penser à un peu à Batman Arkham City au niveau du gameplay. Ouais, et... je devrais commencer par... ouais, bon on va y aller doucement. Hop, hop. On peut faire des diversions aussi. Alors, où que c'est que je pourrais faire la diversion? Il y en a où? Là? Il parle encore de Matos. What the fuck? Vas-y, bats les couilles de la concentration! De...
de faire ça doucement ou quoi. On est là pour fight. Allez les potes. Allez les potes. Et de deux. C'est parti. Allez. Faut faire gaffe au sniper. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez vif. Hein. Ça je peux vous le dire les potes. C'est un jeu. Il faut faire gaffe. Et voilà. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Non. Non. Je m'en doutais. C'est hallucinant. Hallucinant. À chaque fight comme ça, je n'y arrive absolument jamais. Je devrais commencer par eux. Je suis d'accord pour commencer par les snipers, frérot, mais tu veux que je fasse comment? Déjà, lui. Comment tu. Beaucoup de détritus par ici. Ok, ça marche. On est au bon endroit pour faire une jolie diversion. Ok. Ok, lui il est dangereux. Donc ça, danger, ça veut dire que lui il peut nous mettre une seule bastos, si tu vois ce que je veux dire. Bon, j'ai pas fait comme je voulais. Par contre, il y a un petit problème, alors je sais pas, dites-moi si vous l'avez déjà, mais moi j'ai carrément du mal à me faire avec le gameplay de Spider-Man. J'y arrive pas du tout à jouer avec lui, à bien jouer avec lui. J'ai l'impression que les mouvements sont aléatoires et se font n'importe comment. Alors je sais pas vous. Alors là il y a des snipers de partout, c'est carrément chaud. Hop, hop, hop. Excusez-moi les gars, non, je veux pas toi, hop. Ok, ça c'est bien aussi, c'est quand on se cache derrière les ennemis qui se font tirer dessus. C'est plutôt cool, alors il y en a qui ont des bombes aussi. Allez, petite attaque, pas piquer des hannetons. Ça c'est plutôt cool. Ah, il m'a mis mal. Non, je suis mort encore. Mais je suis mort encore. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Comment je peux mourir deux fois de suite à une mission? Comment je fais? Et en plus, il me la remet. Vas-y, vous savez quoi? Ouais, ouais. Ouais, ouais, je quitte la mission. Et quoi? Abandonner ou on abandonne? C'est pas grave. On abandonne. Ça sert à rien si c'est pour que je vous fasse une vidéo où je meurs tout le temps. Ça sert strictement à rien. Ouais, je vais me faire charrier dans les commentaires, c'est sûr. Ce qui est cool aussi, et ouais, parce que nous on change de sujet comme de chemise. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut interagir pas qu'avec les passants ou quoi que ce soit. On peut interagir vraiment partout. Genre, si t'es par exemple dans le labo où tu travailles normalement, eh bien, tu peux aider à faire des trucs scientifiques pour auto, tout simplement. Et puis, comme ça, ça l'aide. Et toi, t'as des nouveaux gadgets parce que auto t'aide en fait, tout simplement. C'est le seul truc peut-être que je spoil certaines personnes, mais c'est tout. Alors là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fous. Bah, tout simplement, il y a des sacs à dos aussi à aller chercher. Il est où? Bah. Attends, mais je rêve ou... J'ai toujours galéré à trouver les... C'est hallucinant. Il est où? Mais en plus, le pire, c'est qu'il est par là. Et les potes. Il est là. Eh, vous êtes témoin. Vous êtes témoin, là. J'en fais pas exprès. Il est encore en bas. Oui, il est là, il est là. On l'a trouvé. Oh là là. Alors on va afficher. Des pièces bien cool sur ce portable. Avec un vrai budget, ça changerait tout. Et j'aurais pas à fouiller les poubelles. Super. Voilà. Voilà. Des fois, je fais de la route pour trouver des petits... des trucs comme ça, quoi. Téléphone cassé. Je croyais Bibi. Spider-Man et Bibi. Bon, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Des fois, il y a des accidents. Il y a des accidents et on peut aider les gens à sortir de ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est quand tu te bats avec les boss, genre tu peux avoir vraiment des gros coups spéciaux, des gros combos exprès.
civils sont en détresse. Chers auditeurs, je dois encore... Les civils, ils sont où aussi? Parce que là, t'as coupé. Hein. McDonald, McGargan, alias le scorpion. Oui, comme je l'ai déjà révélé. Ah bon? J'apprends en même temps que vous que... que le scorpion est encore là. Le but était de créer un anti-Spider-Man afin qu'il lutte contre les menaces. Ouais. Sauf que Spider-Man est là. Il est là, les potes. Psychopathe obsédé par le poison. Son procès est une tentative évidente. Ah bah voilà. C'est ce que je vous montre. Je vais vous montrer là maintenant. On va aider les gens à se sortir de... de ce pétrin. Allez, c'est parti. Là, il va falloir qu'on récupère la madame là-bas. Oh, on l'a récupéré. Explosion. Bam. Genre, j'en ai sauvé que 2 sur 3. Il y en a pas un autre? Bah non. Je crois que ce débris bloque quelqu'un dans la voiture. Lequel? Quelle voiture? Laquelle? Ah, là-bas. Bah, excusez-moi, madame. Là, vous... Ah, bah oui. T'es super là, gros. Mais les contrôles, c'est... What the fuck? Et hop. Désolé, gros. Je vous ai montré un gameplay de mort. Mais c'est pas grave. Je vous ai dit quand même pas mal de petits trucs. Intéressant. Le principal, du moins, sur ce petit Spider-Man. Même si c'était assez haché, je vous l'avoue. Donc voilà, là on a un petit GPS qui nous dit où il faut aller pour aider les gens. Hop. T'es où? Je vais les perdre. Il faut que je me dépêche. Ok, bah, faut là, faut aller trouver la voiture. Là, on n'a pas le temps. Faut aller trouver la voiture. Je vais les perdre. Mais non, on va pas les perdre. Comment on peut... Mais voilà. Mais c'est incroyable le gameplay. Et moi, les touches, j'y arrive pas. Est-ce qu'il faut changer, je sais pas. Faut personnaliser vraiment à sa manière pour arriver à jouer. Je sais pas, mais moi, des fois, j'appuie sur R2, ça ne fonctionne pas du tout. Là, les deux L1, R1, ça fonctionnait pas du tout. Donc je sais pas. Alors autant je suis émerveillé par le jeu, alors autant par le gameplay, my fucking god, c'est encore plus dur que sur la PS2. Des fois j'ai l'impression que je gère pas Spider-Man. Alors bien évidemment là je suis à un niveau très bas, donc y a pas tout, j'ai pas tout débloqué, donc je peux pas faire des figures à la Walgen, des trucs de ouf non plus. Mais j'ai assez pour me battre, pour me faire tuer. Voilà, là on arrive au cœur de New York. C'est-il pas beau? Qui a dit ça? Oh! Ah oui, des fois vous pouvez avoir des petits gars de Fisk ici. Des fois dans la rue comme ça, hop. Ah oui, pour ma défense, je suis en difficulté moyenne. Je sais pas si c'est vraiment une défense, entre autres, du coup. Mais voilà. Et je suis encore nouveau sur le jeu. Hein, donc m'en voulez pas, s'il vous plaît. J'espère vraiment que ça vous aura plu malgré tout. J'ai encore plein de choses à découvrir sur le jeu. Voilà, je voulais juste vous faire partager ça, puisque j'ai le jeu. Donc voilà, si je peux vous le faire partager un petit peu à quoi je joue. Et eh bien ça avec plaisir, même si c'est pas forcément une vidéo travail et sur une vidéo avec sur laquelle je vais me prendre la tête ou quoi, ça change pas, ça fait plaisir de vous présenter un petit jeu. Le signalement a eu lieu à